Coucou, il est 13h, je suis devant Lidl. Je pense que c'est la super heure pour faire ses courses, il n'y a pas grand monde. Je pense qu'il doit y avoir des arrivages, peut-être qu'il y en a tous les jours, mais un petit peu autour de Noël, peut-être en déco, en bouffe. Donc ça peut être intéressant pour vous. Il y a un gars qui est en train de se vénérer à côté, c'est un truc de fou. Il pète un plomb, il fume sa clope dans son camion. Il va tout retourner. Oh, le truc. Pourquoi que je me fasse cramer? Attends, il sort. Bon, je file. Ils ont déjà sorti la nourriture pour Noël, genre ça c'est 18. Si, c'est le numéro 3. C'est un peu tôt quand même, hein. Cassolette de crevettes. Ça donne pas vraiment le goût, hein, pas du tout. Mais... tous les mini feuilletés. Les petites mises en bouche, homard et crevisse, pareil. Les tiramisu, il y en a des différents. Smousse et crémé. Chocolat. Profiterole caramel. Alors moi je me crois chez moi, je laisse mon sac ouvert, c'est la fête. Je suis dans mon rayon préféré, c'est les surgelés, je les trouve incroyables. Certains d'entre vous me disent « Oh, il n'y en a plus !» Mais si, regardez, l'écrasé de... Ah non, celui à la noisette, il n'y a plus. J'avoue. Ah non, je ne suis pas d'accord. Petit pain d'épices traditionnel, chocolat et glaçage, mais je ne suis pas certaine d'aimer quand même. Pareil, les petits cœurs pain d'épices, chocolat noir, ça a l'air sympa, hein. Les boules Ferrero. Elles sont à 2,99€, je pense que les deux, hein, les deux modèles. C'est mignon. Je m'étais dit, bon, ça va être de la déco un peu kitsch. Ça, c'est pour mettre où, je ne sais pas. 1,99€ l'unité. T'as même un petit paillasson. Ouais, dans ta voiture, ça. En fait, c'est plein de suspensions différentes. Oh, c'est mignon ça, tu vois. Ça aurait pu être sympa pour mon calendrier de l'avant, mais bon, il est déjà fait. Les petits rênes, pareil, c'est des quoi ça? Ça, c'est des clips. Alors, ça, je connaissais pas du tout. Des patchs chauffants quand tu as tes douleurs de menstruelles. Douleurs menstruelles. Ouais, bon, au pire, moi, je mets la bouillotte, mais bon, d'accord. Du ruban. Non, mais c'est bon à savoir si vous en cherchez. Ah, c'est ça en fait, la dernière fois que je croyais avoir pris et je ne les avais pas pris, ou alors c'était resté à la caisse. C'est ça, les petits mendiants chocolat noir, c'est joli, hein. C'est vrai que c'est bon ça avec le café. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est trop bon. Ça coûte 3,89€. Ah, pareil, alors ça, oh là là, j'adore. Super, ça a déjà été ouvert, donc là, laisse tomber, je ne pourrais plus le vendre. Les oursons. Ah, t'as vu, 3 chocolats. Papillote, saveur du monde. Ah bah oui. Des bougies. Ils sont immenses. Regardez. Rapport à ma main. Et il y a le modèle très grand. Bougie lit 7,99€. Alors d'accord, les deux formes sont au même prix. Et là, il y en a deux petites. Enfin petites, elles sont pour rien. Déco, ça c'est quoi? C'est pour mettre dans le jardin. Pour faire un parterre lumineux. 5,99€. Le multicresse, j'ai acheté des patates pour refaire une recette d'ailleurs. Ok, donc c'est brown, c'est l'épilateur et le petit, on va dire, rasoir. Ok, il y a combien ce kit? 27,99€, 44%. Les chips à la violette, je crois que j'avais déjà goûté. Et c'est plutôt original. Alors celle-ci, je ne sais pas trop, mais... Ah, ça, c'est pareil. Les barres croustillantes de noisettes. Et tu as les barres croustillantes, évidemment, amandes. Barres noodles sont à 1,99€. Dans les surgelés qui sont un petit peu destinés pour comment dire, les repas de fête. Ça, je sais pas, c'est le petit pan surprise. Des escargots, ballotins de poulet. Alors, c'est pas ça que j'ai vu. Cassolette Saint-Jacques. Alors, oui, mais c'est minuscule, quoi. Ah, c'est ça. Écrasé pomme de terre, vitelotte. Je vais le prendre, ça m'a l'air trop bon. 3,79€. J'ai bien envie de le goûter. C'est ce que je préfère, les surgelés chez Lidl. Je suis à la caisse, j'ai jamais vu ça. Le calendrier de l'avant, il est pas mal, hein. Il est beau. C'est quoi? Secret de thé et infusion. D'accord. Bah, il est joli parce que je le trouve sobre. 7,59€. Après, c'est les traditionnels. C'est un retour? Oui.
Et à combien? Parce que ça plaisait pas, donc la personne. D'accord. Moi, je la prendrai pas, mais c'est pour voir un peu, j'avais jamais vu. C'est vrai qu'elle est belle en rose comme ça. Et elle coûte 69,99. Ah, tu fais que des espresso. Porte-filtre. C'est que des cafés séries, d'accord. Mais sinon, elle est jolie. Hein. Oui, café créneau. Ah, le choix entre une à deux tasses. Bon, bah merci. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. 100 euros. Tout rond. Et quelques centimes. On rentre à la maison, je vais vous montrer tout ça. Je suis rentrée, je vais vous montrer évidemment les surgelés en premier. Et puis quelques petites choses que j'ai trouvées également. J'ai tout posé. Donc voilà la petite vue d'ensemble de tous les surgelés. Ça, ce sont mes pizzas toujours à base de chèvre. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a celle-ci que je prends toujours. J'aime bien parce qu'il y a l'olive en plus. Et toujours la même marque. T'as la même. Elle est bio apparemment. Et il n'y a pas d'olive. Bon, bah, on va tester. J'en ai pris trois. Eric, je lui ai pris. Bah, lui, il préfère celle-là. Les Buitoni Fresh Up avec la pâte un peu plus grosse. Ça, parce que bah, déjà goûté, validé, adoré. C'est des petits nuggets de Colin d'Alaska. Qu'est-ce que c'est bon? Je le fais soit avec bah, tiens, des petits pois ou du riz, tout simplement. J'ai repris bon, steak haché, hein, ça peut être pratique. L'écrasé de pommes de terre, je vous l'ai montré. On va goûter ça, je vous ferai un petit retour. Je n'ai pas trouvé, comme vous avez vu. J'ai regardé partout mon écrasé, noisette et tout, il n'y a pas. Donc j'ai repris trois, parce que ça, c'est vraiment ce que je mange le midi. Je mange que ça. Je me fais quelques petits galets avec du blanc de dinde. Ça... On a repris nos glaces à l'eau, donc c'est au citron. Poêlée quinoa, boulgour, je crois pas avoir goûté. Courgettes, poivrons, tomates. Des frites classiques, hein, juste au four. Les pommes dauphines déjà goûtées, pareil, validées, très bonnes. Et le riz basmati, ça c'est pour lui. Non, le riz à la cantonaise, ça c'est pour lui. Moi, je suis pas trop fan. Il aime aussi celui-là. Donc je range tout ça et je vous montre le reste. Ensuite, je vais chercher le deuxième sac. Comme je vous dis, j'alterne entre Leclerc, Inter le dimanche et puis Lidl de temps en temps. J'ai un peu les boules parce que quand je vois tout poser, je me dis qu'il n'y a pas grand chose alors que j'avais l'impression que c'était il y avait beaucoup de choses. Peut-être parce que j'ai pris aussi beaucoup de surgelés. Alors ça, je peux vous dire que je l'ai scanné, Yuka, j'ai tout regardé. Il est excellent, il est top, pas trop de sel, pas de sucre, pas de truc. Nickel, donc j'en ai pris... Bah normalement j'en ai pris 3. Ah bah oui, il est là-bas. Donc j'ai pris 3 veloutés. J'en prends la moitié. Donc ça, ça va me faire 6 repas. Ça, c'est un petit goûter. Je ne sais même pas ce que je lui ai pris. Ah si, un croissant aux amandes. Des marrons entiers. Habituellement, je prends ceux de chez Leclerc. Donc je vais pouvoir comparer au niveau du goût. J'adore ça. Les marrons revenus comme ça dans la poêle. Snacké. C'est délicieux. Le pain de mie pour le matin. Alors pareil, ça j'ai scanné, c'est très très bon, c'est le Bjorg à l'avoine, donc le matin ou même l'après-midi, tiens je vais en prendre un. Sans sucre ajouté, source de calcium, il est pas mal, hein. Il m'a l'air pas mal au niveau de la compo, j'en ai pris 2. Du riz, je ne pense pas l'avoir goûté le riz de chez Lidl, je prends toujours le basmati, pareil Leclerc, on va voir. Ça c'est pour mes petits encas des amandes, j'adore ça. Des endives, parce que je fais plein de salades en ce moment à base d'endives. Ça, pour cuisiner dans mon multi-cuiseur, j'ai pris des pommes de terre, donc qui sont à chair ferme. Comme ça, tu peux faire plus de choses. Tu peux faire à la vapeur, à l'eau, rissoler, sauter, gratin. Plus de choix. Deux steaks. Bon, je mange très peu de viande, mais de temps en temps, voilà. Deux petits steaks. Ça, j'en ai pris la dose. Blanc de poulet, j'en ai pris la dose parce que c'est la base de mon repas du midi. Il m'a demandé de nous prendre ces petits plats, il adore ça, les petites salades, notamment veggie, comme ça. Donc celle-ci, c'est taboulé, noix de cajou, curry. Il y a les travaux hein, devant chez moi, si vous entendez du bruit. Quinoa, 3 légumineuses, jus de citron, coucou toi. Coucou toi. Oh, non, ah non, tu restes gentil, la papa, t'as resté à sa place. Jack, s'il te plaît, sois mignon. Et bah, un autre comme ça, maïs pour faire mes salades, notamment avec les endives, super. Bain de bouche, oui. Les Pink Lady, très bon, des petites pommes. Et je crois que c'est tout. Ah aussi son coca zéro, parce que je peux vous dire qu'il en consomme, j'ai pris la dose. Voilà, il sera content. C'est tout, donc bah, je vais vous laisser là, je vais ranger tout, je vais faire le montage de cette petite vidéo. Et dites-moi en commentaire si ce type de vidéo qui n'est pas vraiment préparé, qui est... voilà, c'est pas du vlog,
ça vous plaît. J'ai l'impression que oui, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, tiens, bah écoute, je vais faire les cours, je vais filmer, je vais leur montrer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.